come from this side and they will get inside. As of now, they are going this way and they are coming here. Alors aujourd'hui, c'est un autre jour, une autre étape importante, un autre milestone dans le projet métro à Maurice. Aujourd'hui, nous lançons phase 3 du projet. Tu prends la décision pour faire sa extension Rosile, Eben réduit. Pendant les dernières semaines, les derniers mois, ben travaux, ben l'enquête, ben l'étude une faire, ben survey une faire. Et aujourd'hui donc, nous lançons ben travaux concernant la phase 3 du projet. Quand nous vous faisons ce projet-là, prend depuis Rosile, voile de la route Eben, et la ben travaux qui vous a fait quand nous étions là. Donc ça, ben travaux-là, l'IPU implique nécessairement ben traffic diversion. Ça veut dire sa extension-là, l'IPUAL parallèle avec la fin des travaux pour le Skakiapi. Donc nous pouvons espérer la fin de l'année prochaine, le projet métro pour compléter pour lui Kiapi, et en même temps Rosile, sa phase 3-là, et ben réduit ça aussi pour compléter en même temps, parallèlement les travaux que faire. Sa phase 3-là, il peut amener nous environ 15 000 plus passagers par jour. Alors, c'est à cause de ça, donc, dans le long terme, évidemment, il y a un projet viable, commercialement viable pour Mel, c'est à cause de ça qu'il nous embarque dans ce projet-là. Donc, comment je trouve je vous dis, c'est un jour spécial parce que nous pouvons démarrer tous les travaux phase 3. Phase 3, c'est-à-dire pour l'extension depuis Rosile, pour aller vers Eben et puis pour aller vers, réduit. Donc là, nous prenons une troisième plateforme qui vous fait ici, cette troisième plateforme-là, qui est au même niveau avec existing railway station. Donc en termes de facilité, il vous pareil, il vous seamlessly integrated avec la gare. Donc cette plateforme-là, il vous juste en haut de la route-là. C'est la route Vendée, mais ça petit bout depuis rond-point côte CB avec rond-point côte Manjou. Donc, il peut elevated, il prend elevated, il peut aller jusqu'à. Il peut tourner, il monte là-haut, il peut aller, il peut se relever, il peut aller jusqu'à côte devant l'école. C'est environ une distance de 548 mètres, il peut se relever. Il passe l'eau sur la rivière sèche. Donc, après, il peut continuer à grader, il peut aller pour une station Eben, pour une station réduite, pour l'université. Sa quantité de monde qui peut prendre le métro, qui peut aller vers Eben et réduit, il peut vraiment N+, donc beaucoup de monde intéressé avec ça, avec cette tronçon-là. En termes de traffic diversion, ça veut dire en ce moment, nous trouvons sa bout de Vendée-Mèche, là, depuis là jusqu'à là-bas, les donc l'étant de vous faire un travail là, nous avons besoin de prendre un peu l'espace, donc il peut venir one way, en direction de ce rond-point-là. Mon travail pour faire au milieu et aussi la police. Donc nous pensons que tout passe très bien et aussi régulièrement nous faisons ce qu'ils nous appellent un quality patrol, quality environment safety patrol. Ça veut dire que l'équipe qui sera le 4 bones, je vous travaille là, je vous fais pareil. Et comme elle a dit, nous avons un team qui peut engager pour le stakeholder management avec toutes les personnes concernées. Et que nous pouvons faire de mieux, bien sûr, durant les travaux, pour avoir toutes les facilités, et que nous pouvons avoir une direction, pour avoir un signage partout. Et que tout ça, finalement, prouvé par la TMR. D'ailleurs, nous faisons guetter un peu. C'est un bus, en fait, il est bien fluide. Hein. Il y a un bus qui rentre là-bas, bientôt, je ne rentre pas ici. Donc, je parle dans la direction là. Et qu'elle a un petit fait un extra additionnel que le bus pour arrêter pour que les gens capables de descendre safely. Et bien sûr, tout cela fait une review, safety review, et pour que l'espace soit correct.